Bon. Ok. Les bruits de cuir sont opérationnels. Ok, tout est bon. C'est tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois sur... Enfin, cette fois sur... On se retrouve pour la suite de The Devil Inside. Voilà tout. Donc je testais juste, c'est pas de souci, hein, parce que parfois quand je charge le jeu, il y a des dédoublements de son. Je ne sais pas d'où ça provient. Hein. Donc là je pensais l'avoir et a priori j'ai eu du pot. Hop là, j'augmente la luminosité. Alors si je me souviens bien, la dernière fois on s'était fait défoncer par la machine gun, enfin le gars avec la sorte de machine gun qui était au-dessus. Hein. Tir un missile. Bon. Alors, les touches. F4 lamentaire, F11. Ok. Et F12. Le live. Elle veut pas voir ça. Non, mais c'est quoi ça? Ah bah en fait c'est regardable. Mais non, je peux pas regarder ça, mais... Allez, encore un petit coup d'œil. Mais non. N'importe quoi. Donc, attendez. Tac, 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 voilà. On va démonter cela. De toute façon, il faut leurs âmes. Hein. On se dépêche. Oh putain, missile, missile, missile. Là, oh là là, je sais pas ce qui se passait. C'est pas... Oula, 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 oula. Le missile est passé à côté. En plus, je pense que ces missiles-là peuvent nous one-shot. Hein. Ils ressemblent beaucoup aux armes qu'avait le boss, là. Les sortes de grenades. Oh, il a pris... Il a fait enflammer son pote, a priori. Non, non. Ok, bah, tous les deux sont morts. Nickel. Allez, par ici les M. Par contre, je vais voir un truc qui est... Oula, c'était quoi ça? Ok. Oupoulalalalala. On va prendre toi. Non. Non plus. Non plus. Voilà. Super. Ok. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça me crame? Ah cool. Bon. Bref, ah bah voilà, il a là. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Sûrement un bug. Ah ouais. Bah, c'est maintenant que les hommes y viennent. Peut-être qu'elles étaient mortes. Enfin, les gars étaient morts. Mais ça les a pas enregistrés comme étant morts. Donc. Ah, il y en a encore un qui est là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, j'ai reçu 4 âmes, alors qu'il y avait juste 3 ennemis. Donc, bon, tant mieux, hein, je gagne au change. Hein. Allez, je vais calmer ça. Mes ailes ont de nouveau augmenté. Et qu'est-ce que je voulais faire? Un instant. Non, ça c'est bon. Ok. Non, je veux pas voir ça. Et attendez, F8. Ok. Voilà. Je pensais qu'on pouvait. Ah bah voilà, je suis con. Ah bah le caméraman il est en vie finalement. Ouais bon, il bug. Donc on va le laisser là où il est. On va laisser la vue sur lui, tiens.
Ça va un petit peu vous déconcerter. Tu m'auras pas cette fois quand même. Spam, 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 spam. Touche pas mort. Ok. Ah mais c'est vu, hein. Toute ma barre bleue et finalement bah, je me suis quand même fait tuer. Enfin j'ai dû utiliser quasiment toute ma barre quoi, plus de la moitié, juste pour un ennemi. Hein. Franchement pour tuer c'est vraiment. Elle est vraiment pas optimisée, si je puis dire. Mademoiselle Deva. Bon, finalement, je vais enlever ça, parce que. Ça me perturbe. Voilà. Tac. Allez. Donc ici c'était un cul-de-sac. Hein. Je vais juste regarder s'il n'y a rien de spécial. Je peux rien faire là. Hein. Je peux rien faire. Ok. Bon ben on continue. Hein. Par contre, je ne sais plus du tout où il faut y aller. Hein. Je pensais que c'était là où il y avait l'ennemi hein, qui était au-dessus, mais finalement, ben, ce n'est pas le cas. Bizarre. On va aller vers là. Ok, c'est aussi un cul-de-sac, a priori. Quoique. Pas moyen de sauter par là. Les sons bug pas mal. Attendez, je vais voir si je peux utiliser mon. Ah si, ça marche. Je suppose qu'on peut. Ici, rien. Waouh! J'ai pas le souvenir qu'on pouvait aller aussi rapidement. Bon, allez, on va avancer. Hop là, est-ce qu'on peut passer au-dessus? J'ai encore under map, je vais totalement bugger. Ok, ici, on peut pas. Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Et j'ai plus de vie. Ah, en fait, ça me réduit en taille. Je sais pas si vous avez vu, j'étais hyper petit en fait. Oh, bon. Allez, on va tomber. Bon. Je vais regarder une dernière fois, hein, vérifier une dernière fois au niveau de la télé. Et s'il n'y a rien ici, ben je devrais rebrousser chemin, hein, tout simplement. À part si je manquais un truc, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait largement. Il n'y a vraiment rien de rien. Allez, on continue. Sinon, vis-à-vis du jeu, je pense que je vais réduire un petit peu la taille des vidéos. Hein. J'ai vu que j'étais à plus de la moitié du jeu. Hein. J'aurais donné au niveau d'une solution. En fait, c'est des mines. J'ai pas lu la solution. Hein. Mais j'ai juste regardé qu'est-ce qu'il me reste encore comme chemin à parcourir. A priori, après ça, il y aura une sorte de nécropole. Et encore après, il y aura deux autres environnements, et ce sera la fin du jeu. Voilà. Ah, j'ai entendu un électrocuté. Ici, il y a toujours rien. Il y a des ennemis qui sont apparus derrière moi. Parce que là, j'étais déjà passé avant. Il n'y a pas d'ennemis avant. Il doit sûrement faire un truc derrière. On va se le sniper. Ça va marcher. Niente. Par contre, il drop toujours pas d'âme. Hein.
Je suppose qu'il faut attendre sur le cadavre, normalement. Ça va bugger quelques instants, ensuite on aura droit aux âmes. Ah, ah ouais. Regardez, je peux même pas traverser là où il y a le bug de... Qu'est-ce que c'est? Aïe aïe, niveau bug, on est rodé dans ce jeu-là. Hein. Il y a un gros bruit. Bref, allez. Tiens, il y a une porte là. Ah oui, ça mène. Ici, il n'y a rien. Là, il y a un truc de courant alors qu'il y a. C'est de la roche, hein, je comprends pas. Bon. Explorons. Au pire, hein, si je trouve pas, je couperai comme. Comme la dernière fois et je reprendrai. Ah bah tiens, il y a des ennemis là. Je reprendrai là où. Jusqu'à ce que je trouve quoi. Ok, ici rien. Ici, c'est un cul-de-sac. Bon, on va sniper les ennemis là. Normalement, je peux les toucher. Il suffit que je vise dans les airs. Ça va. Ça a tué? Waouh! One shot! C'était un plan infaillible! Allez. Bon, je sens qu'il y a des ennemis ici. Je retourne une respiration, je sais pas pour vous, hein. Non, elle s'est arrêtée. Peur. C'est un... Je disais peut-être qu'il faut revenir là où on était avant. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, vous voyez, mes ailes, ils ont nos poussées. Peut-être que dès que les ailes sont grandes comme ça, on peut. C'est-à-dire que c'est une zone où on peut voler. Et dès qu'elles se rétractent, ben, on ne peut pas. Bon, moi c'est bien, ça donne une bonne indication sur si on peut ou pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux pas? Non, ça me donne rien. C'est juste de l'eau, hein. De l'eau verte. Bref, c'est quoi? Je pense qu'on va couper là et je reprendrai dès que j'ai trouvé la sortie. Allez, on reprend et on se barre. Regardez derrière moi ce qu'il y a. Je me cite pas. On va crever. Allez, quitting time. Ok, oula. Je vais faire comme m'a appris ma mentor à l'époque, Kea, qui m'avait appris toutes les bases du quitting. Si tu passes par là. Donc je vous explique un petit peu ce qui se passait. Hein. Tu meurs. Oui. En gros, j'ai dû revenir au niveau de la crevasse, là où on est, là où est notre caméraman actuellement. Et comment dire? Juste après être passé par cette crevasse, il fallait juste tourner un petit peu vers la gauche. Et il y avait une porte métallique. Avant, je ne sais pas si j'y étais allé ou pas, mais bizarrement, dès que je suis allé, ben il y a ces, j'ai vu ces électrocutés qui étaient un derrière l'autre. Il y en avait environ, je crois, 8 à peu près. 8-10. Mais le truc qu'il y a, c'est que vous avez vu, quand ils ont commencé à m'attaquer, ils sont tués les uns entre les autres. Donc là, il n'en reste plus beaucoup, ce qui m'arrange fortement. Hein. Je vais essayer de les sniper. Oula.
lui est déjà bien amoché. Il ne restait plus qu'un bras. Ok. Ouais, bah, toutes les armes que j'ai eues. Alors que je n'ai juste tué un. Hein. C'est juste parce que j'ai eu la chance de profiter des tirs croisés, hein, des électrocutés qui sont tués entre eux. Bon. Oh, ça arrive à l'armée, hein, des petits coups entre amis. Hein. On a déjà vu ça dans. Dans Starship Troopers, hein. Ça arrive, hein. C'est des dégâts collatéraux, si je puis dire. Et on est enfin débloqué, voilà. En fait, ce qu'il fallait faire, il fallait passer par là, et a priori, il y a un chemin qui est en face. Hein. Il faut juste utiliser les ailes pour survoler cette petite télé et arriver, hop là, à l'entrée. De la nécropole ou de je sais pas très bien ce que c'est. Voilà. Donc je vais pas tenter de tomber à droite. Hein. Oh, ok. Bizarre comme figure. Ça doit être une statue aztèque. Ouais, ça doit être ça. Bon, ben, y a plus rien, on va avancer. Hein. Vous avez vu les... Qu'est-ce que... Ok, il y a plein de bugs a priori. Bon, déjà mon caméraman m'a rejoint. Enfin, il ne bug plus hein, pour une fois. Il y a l'image du présentateur en haut à gauche qui est bloquée. Je sais pas pourquoi il reste là. Hein. Et en plus, vous avez vu les projecteurs, à quoi ils ressemblaient. On aurait dit des faisceaux noirs comme ça. Okay, un gros plan des fesses de Deva. C'est très utile, monsieur le caméraman. Hein. Donc, je règle ça. Et hop là. Comme ça, on aura un petit peu la vue du caméraman. Ça nous changera un petit peu. Ah, des munitions de lance-grenade, a priori. Non ? Un zombie. Ça fait plaisir, hein. Vu qu'en ce moment, il n'y avait que des gros. Enfin des gros monstres. Hein. A priori, il est pas très offensif, même s'il s'est bien fait bouffer le cerveau. Ouais, il a dû au moins se faire manger 40 de cuits. Hein. Bon. Allez, on va l'éviter, hein, ça ne fait rien. Oh, il a réagi. Ah, le fourbe. Allez. Ah, tiens, des munitions de... C'est quoi ça? On va essayer de prendre son feu. En essayant de faire en sorte que notre caméraman ne se fasse pas brûlé par la même occasion. Ça serait un peu idiot de notre part. Mais je sais pas, ça a l'air de bugger un petit peu. Ça tremble. Peut-être que c'est lui dans le jeu en fait. Hein. Il y a l'image de Reaper en haut à gauche. Je sais pas, il est tout le temps présent. Il y a des petites saccades en plus, alors que le jeu il tourne à fond. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, il y a un gros là-bas. Bon, je pense qu'on va essayer de le sniper. Hein. En espérant. Oh, nickel. Que les tirs vont automatiquement sur eux. Hop là. Allez. Il est mort. Allez, je tire la bête qui est en face de moi et ça tire l'ennemi en bas à droite. Et il est toujours en vie, hein. Ok. Ah, je crois qu'il est mort. Ah, quoique. Ah, on l'a eu, je crois. C'est bon. En plus, le caméraman il regarde même plus la créature, donc je suppose qu'elle a été tuée, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a encore envie? Non. Voilà, c'est bon. Là, il est out. C'est quoi ça? On peut le tuer? Oula.
Vous avez vu? Il a voulu nous frapper, on dirait. Attendez, on va essayer de le dégommer. En tout cas, si c'est une décoration, c'est assez. C'est assez. Comment dire, original. Hein. Bon, ils prennent une personne, ils le mettent sur un bâton et. Et voilà, vous avez votre. Votre décoration. Nécrologique. Ça se dit pas. Ah, enfin, on retrouve Dave. Est-ce que je peux rendre les âmes ici? Il faut un piédestal a priori. Bon, on va garder Dave. Hein. Je pense pas qu'il y ait un souci. On va voir si on peut le tuer. Non, il a l'air d'être invincible. Hein. Je pense que, comme on l'a dit avant, il fait partie des décors et. Drôle de goût, hein. C'est. C'est des bons. Ouais, vous avez vu, c'est bien de l'Aztèque. Hein. On marque bien l'écriture avec la petite main ensanglantée là-bas. Hein. Je sais pas comment il a fait, comment la personne a fait pour atteindre cet endroit-là avec sa main. Enfin bref, voici voilà tout pour cette partie. Hein. Donc on se retrouve juste après pour la partie numéro 8. A tout de suite.